Donc, on va faire l'exercice 3 sur ce cinquième fiche. Donc, là, on a une surface S qui est le graphe d'une fonction f. Donc, ce passage veut dire que c'est l'ensemble de tous les points x, y et z tel que f, x, y est égal à z. Et pour ces fonctions-là, on a une carte globale. Je vais les appeler f. Par de R de F et qui retourne S, qui envoie X, Y sur le point X, Y, F et X, Y, et j'ai l'inverse S de R de du point X, Y, Z et qui retourne plus X, Y. Ok, et le but c'est de montrer que si j'ai gamma, donc dans S un géodésique, donc en particulier la courbe géodésique est égale à 0, et alors et S a courbe de Gauss négatif occupé dans S, alors gamma est injectif. Donc là mon gamma va partir d'une intervalle dans R et arrive dans S. Donc une remarque, c'est que gamma est régulière et donc localement injectif. Et donc en particulier, il existe une intervalle. Donc je vais l'appeler I. Cet intervalle fermé inclus dans J, tel que gamma de A est égal à gamma de B et gamma restreint à A. B est injectif et ne prend pas la valeur gamma de A. Ok? Donc maintenant, je vais regarder la courbe gamma restreint à AB qui prend l'intervalle AB et retourne un boucle. Et ceci va être du coup être une courbe fermée simple. Ok, et donc maintenant, je vais prendre G qui envoie. Il va prendre composé avec gamma, qui va être RB dans R2. Donc là, j'ai ma région R dans R2 qui est bornée par G en gamma, et ceci est envoyé par F sur une région que je vais prendre RT2 qui lui est inclus dans S. Et puis je vais appliquer ce que le but ici, ça va être d'appliquer le formule de Gauss-Bonnet local à R. Et je note que R a une unique de la G, cette quantité G, G composée avec gamma comme c'est une géodésique, donc glisse partout ailleurs, G a une unique point. Je vais θ qui est entre 0 et 2π. Et donc maintenant, je vais. Excuse-moi. Je vais appliquer la formule de Gauss-Bonnet qui dit que l'intégrale sur R de kappa P de S plus l'intégrale sur gamma de sa courbe géodésique qui dit s'annule plus. La somme, ça c'est égal en fait, plutôt. Gamma va être la tour encore dans l'intérieur. La somme de surprise P
1 de pi moins I est égal à 2 pi. Maintenant, cette quantité-là, j'ai supposé que la courbe était partout non positive, donc ici, c'est quelque chose qui est négatif, et ici, cet angle extérieur est entre mon pi et pi, et donc intégrale sur R de kappa P plus pi moins sigma pi divisé de pi est impossible. Puisque ici c'est négatif, ici j'ai quelque chose qui est entre mon pi et pi. Ok. Ensuite, maintenant, je suppose que j'ai deux gamma 1 et gamma 2 physiques. Donc là, qui montre du coup objectif. Et je suppose que gamma 1 et gamma 2 se rencontrent en deux points. Donc maintenant, je sais que gamma 1 et gamma 2 sont donc des courbes régulières. Je sais que la géodésique Poisson dans un point dans une direction particulière est unique. Et donc, je vais avoir que l'ensemble des points, donc l'ensemble des points P, donc je vais supposer que gamma 1 par des I1 S et gamma 2 par des I2 vers S, et je sais que l'ensemble des points des couples des T S dans I1 pour I2 tels que gamma 1 T est égal à gamma 2 de S est discret, et donc je sais qu'il existe un intervalle J1 dans I1, J2 dans I2, donc je vais avoir la propriété que donc J1 être A1 B1, J2 être A2 B2, et je vais avoir que gamma 1 A1 est égal à gamma 2 A2, gamma 2 A1 B1 être gamma 2 B2, et je vais supposer que qu'il y a gamma de J1 intérieur gamma 2 de J2 intérieur et vide. Donc je vais être dans la même situation qu'avant. Je vais avoir ici donc, gamma 1, gamma 1, gamma 2, et je vais avoir que l'intégrale sur cette région ici de la courbure que j'ai supposée négative plus l'intégrale de la courbe géodésique qui s'annule, puisque ce sont des géodésiques, donc la courbe géodésique est nulle, plus gamma 1, gamma 1, plus gamma 1, gamma 2, est égal à, donc 2 pi, sauf que ça c'est négatif, ceci est entre pi et moins pi et pi, et ceci pareil est entre moins pi et pi, et ce n'est pas possible que la somme de ces deux, de tout ça fasse 2 pi, et donc je ne peux pas avoir sur une graphe qui est de courbure constante, qui est de partout de courbure négative ou nulle,
de géodésique qui se rencontrent en deux plans.